Bonjour à toutes et à tous, c'est Miss Egal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme, pour moi ça super. Les copains, on se retrouve pour une vidéo importante, on va essayer de monter un nouveau brawler à 1000 trophées, c'est la petite Nita. Et du coup, je suis sur une grosse session avec le frérot Xinox et son jean, le mec met des grappes du futur. Donc la session, ça fait à peu près, je dirais, 1h30 qu'on joue. Donc on est largement positif en tout cas. J'ai pris ma petite Nita à peu près 900-910, et du coup, on est en passe de la passer 1000 si tout se passe bien. La map Cric du Crâne, vous la connaissez, c'est une map assez ancienne, je l'aime beaucoup. N'oubliez pas de rentrer le code créateur Gaël, les copains, si vous l'avez pas encore rentré. Mille merci, GAEL, ça fait plaisir. Merci pour le soutien, merci pour tous les screens que vous m'envoyez de partout. Toute la force, et n'oubliez pas, bien sûr, le petit pouce bleu sous la vidéo. Explosez-moi tout ça, et croisez un peu les doigts, les gars. Ouais, ça fait beaucoup de trucs à faire. Ça fait beaucoup de trucs à faire, mais il faut aussi nous porter chance qu'on a un bon spawn, qu'on ait plein de popos, qu'on se fasse pas focus par deux teams. Vous connaissez le duo Shodan, c'est vrai que on l'a pas mal tryhard avec Xinox, c'est pas son mode favori, mais j'avoue que le mec est tellement chaud qu'il sait jouer dans tous les modes. Bien sûr, ses réseaux sociaux en description. Alors, on a un spawn qui est éclaté total, parce que là, la seule chance, c'est de remonter sur la team du haut. Allez, conteste celle de gauche. C'est un peu craignos. Alors, on a une peau là, ok. Putain. Alors le star power qu'il utilise sur Jean, c'est le premier, les gars. C'est pas du tout le deuxième qu'on utilisait avec les 300 dégâts de plus par coup sur le chasseur de l'étoile. Là c'est le premier, il me heal et vous allez voir que c'est assez intéressant. Le but ça va être qu'il chope son grab, et dès qu'il a son grab on va essayer de faire un kill. Et dès qu'on fait un kill, tout simplement on se met bien, on peut prendre une ou deux énergies en plus. Et c'est pas mal. Alors là, on fait un peu un tour de map. On a réussi à se faire une place, même si le start était dégueulasse. Ouh, il y a Carlito qui rush Z. Je pense que lui, il est mort. Ou pas. Alors, j'ai l'ours pour me protéger. On va essayer de prendre la peau. Voilà, ok. On a 3 peaux. C'est déjà pas mal, les copains. C'est pas dingo, mais il n'y a plus que 4 teams. L'objectif, c'est vraiment de faire top 2. Top 1, top 2, vous connaissez, hein, plus 7, top 1, plus 6, top 2, c'est déjà super rentable. Faut vraiment, comme je dis souvent dans mes vidéos de Shodan comme ça, où on essaie de montrer 1000, il faut même essayer d'éviter la troisième place parce qu'elle fait moins 3, les gars, et c'est vraiment problématique. Alors là, le but, c'est que je charge mon ours pour pouvoir nous protéger si on se fait push. On arrive pas mal à les gratter, les gars, eux, on les touche plutôt bien. Ouais, on a fait un peu plus de la moitié du boulot pour gratter l'ours. Alors, je me méfie toujours de Dari Ulti parce qu'il peut vouloir nous rusher. Ouais, il est pas bien. Franchement, il est pas bien. On est à mon avis, on est mieux installé que lui. Les mecs qui sont au mid, ils vont se faire full focus. Normalement, les gars, il y a toujours une team qui prend le mid, je le conseille vraiment pas. À moins d'être à 10 pots, mais sinon, vous allez vraiment vous faire push de partout. Et c'est rarement la bonne solution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis un peu caché, mais j'ai... Putain, ça s'élimine pas. Alors, des fois, ça s'élimine super vite, hein, c'est comme de partout. C'est comme à chaque fois, et des fois, ça s'élimine pas. Aïe, 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 on se fait pas, je parle d'Aril. Je vais essayer de tempo. Ok, on prend une quatrième énergie, j'ai l'ours, en vrai, on est pas mal. On est top 3, faut qu'on gratte un top 2 pendant que Xinox puisse respawn. Je pense que je vais lâcher l'ours dans pas longtemps. Alors, on a validé le top 2. Est-ce que vous pensez qu'on peut gratter quelque chose ou pas? J'y crois pas trop, mais... Alors ils ont 15, le Jean il a 15 énergie, le Daryl il s'est fait soulever. On va l'avoir, les gars, on va l'avoir ou pas? On va l'avoir ou pas? Faut qu'il grabe. Oh oh! Oh là là, le vol, oh le vol, oh le vol, les gars. Top 1, on fait le vol du siècle. Le mec avait 15 énergie, on a réussi à le défoncer. Bon, il était bidon. Clairement, les gars, quand vous avez 15 popos, c'est absolument impossible de perdre face à un mec qui vient de respawn comme l'était Xinox. Donc là... Clairement, il nous en fait un cadeau, on le prend avec plaisir, on est à 983 trophées, ça fait plaisir, et on regardera un petit peu le classement français une fois qu'on aura monté 1000. Si je dis pas de bêtises, les gars, on sera peut-être premier français sur Nita, s'il n'y a pas un frérot à moi qui est en train de le rusher à l'heure où on fait la vidéo. Et désolé, je sais pas encore le moment où je posterai la vidéo, les gars, mais il y a beaucoup de contenu qui arrive, comme je l'ai dit, en 2020. Énormément de nouveautés, donc n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous êtes au courant des exclusivités, des nouveautés à chaque fois. Profitez-en, c'est gratos, ça fait plaisir. Alors, on a les deux popos. Ce spawn, j'aime bien parce que déjà, il y a souvent entre 2 et 3 popos. Et très souvent, vous allez pouvoir taquiner le mid. Alors, j'ai pas dit qu'on allait le prendre, mais... Ah, il y a un Franky, les gars, à gauche. Franky, normalement, au moins pour charger l'ulti, c'est pratique. Alors, Franky, il est en bas. Ok, on l'a bien touché.
Alors, vous allez voir qu'on va rester très souvent groupé du coup par rapport aux îles de Xinox, hein, parce que sinon, je conseille pas franchement de rester groupé comme ça en showdown, c'est le meilleur moyen de se faire sauter par des trucs improbables. Style une Shelly qui viendra vous ulti corps à corps, ou un Frank qui peut vous bloquer tous les deux, même si Frank c'est beaucoup plus rare, même si là il y en a un. Mais sinon, je ne conseille pas trop la stratégie, mais là elle me plaît bien. En Mortis, si on pouvait le soulever, les gars, s'il pouvait mettre un grab du futur Xinox, on pourrait faire un kill parce que là, deux pots, c'est pas le record du monde. Allez, allez, vas-y, tente-moi un truc. Tente-moi un truc, mon poulet. Oh là là, magnifique, magnifique. Et la grab le met. Oh putain, on est déjà en survivant, les gars. C'est énorme. C'est énorme. On est déjà en survivant face à deux lanceurs. Waouh, c'est grave cancer qu'on compose ça. Alors, faudrait qu'il arrive à choper son grab. Moi, je vais essayer de régénérer un petit peu. S'il arrive en grab 1, on peut se mettre carrément bien. Alors, pour l'instant, il esquive pas trop mal le petit Barley. Il a l'air de tirer comme un as. C'est plutôt cool. Le tick à gauche, est-ce qu'on peut pas le péter? La 9 pour les gars. Alors. Ah, putain. Un coup, deux coups. Auto shoot forever. On a pris les pots. On est à combien? Alors, je suis surtout low vita. Je pense qu'on a gagné. Il grab le Barley. Ok, les gars, comme à l'entraînement. Putain, on est en train de faire un festival de fou. On était en survivant super rapidement dans le jeu. Donc, dans la game plutôt. Donc, ça fait quand même super, super plaisir. On est à 990 trophées, donc il faut encore deux games. On est sur une série de top 1 qui est assez impressionnante là. Ça fait vraiment chaud au cœur là de faire des sessions comme ça, franchement, pourvu que ça continue encore un petit peu, au moins jusqu'à 1000 trophées. Après, les gars, je m'en fous. Après, je pose la tablette, on ne joue plus. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. On essaie de se donner du mal pour fournir du contenu de qualité. Donc vraiment, explosez-moi les pouces bleus, les copains. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà monté un brawler 1000. Ou pas, à mon avis, c'est vrai que c'est quand même réservé à des joueurs qui tryhardent beaucoup. Hein. Pas forcément du level, parce que bon, quand on a les bons mates, c'est faisable, mais vraiment, ça demande quand même beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Alors, ce qui est cool à l'endroit où on est, c'est qu'on peut taper les deux pots en même temps. Donc on est à 2, il en a pris une en haut, on est à 3. Est-ce qu'on peut conteste là? Putain, là. Oh, les gars, on a volé deux pots. On est des voleurs, on a volé deux pots, on est à 5. Le Franky. Oh, le start de fou, les gars, on a 7 pots, j'ai l'ours de charger. Malheureusement, Xinox, il a pas son ulti, mais hormis ça, on est au top du top. Alors, attention quand même. Attention, le jean grab à gauche qui arrive, qu'on se fasse pas surprendre, parce que là, pour l'instant, la game, elle est là, on est top 2. Là, on est top 2 assuré, j'espère qu'on se porte pas malheur, mais vraiment, je la sens bien. Je la sens vraiment bien, cette game. On a deux viewers à qui on fait une énorme dédicace. En tout cas, il y a un corbac en bas qui est pas bien, bien. Ouh! Allez! Grab, frérot, putain! Voilà, j'ai cru qu'il allait laisser partir, même si c'est dommage de gaspiller le grab, les gars, on est d'accord qu'il faut... Il faut absolument le choper, parce que ça nous fait une potion en plus, et mine de rien, 8, on commence à être vraiment très bien, le corbac jean en bas. Autant le jean ulti, il était bien, autant s'il commence à s'enfermer en bas, à mon avis, ils sont un peu... Un peu dans le faux, voilà, c'est une erreur qu'ils font. Allez, il faudrait que les mecs s'éliminent un petit peu. Ce serait cool, comme sur la game précédente, qu'on puisse essayer de gratter un top 2. Le plus vite possible. Ouais, le problème, c'est que je peux pas gratter grand-chose, là. Hein. C'est Xinox qui gratte, moi, je peux juste rester en embuscade. Parce que sinon, je vais... Bon, ils ont déjà l'ulti, de toute façon, donc... Enfin, le Jin a déjà l'ulti, donc de toute façon, il aura pas un double ulti. Alors, il y a un truc en haut, BA, waouh. Énorme respect pour BA, les gars, c'est très 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 fort. Ça peut vraiment nous soulever. Est-ce qu'il peut en grabin, vas-y. Alors, j'ai envie qu'on mette la presse là. Ils m'ont saoulé, j'ai envie qu'on mette la presse. Allez. Oh les gars, je me mets très très bien. Xinox s'est fait péter, par contre, tu as 15. Il faut absolument qu'on pète. Alors, attends, il y a qui? Il reste plus qu'un Corbac 0 qui va mourir. Ok, la Rosa elle meurt. Je suis en tête-tête avec 17 pots, donc autant vous dire que là, si je perds, vous pouvez. Me critiquer, non pas trop quand même, parce que BA ça reste fort. Allez, le 1PV, on va le péter. Oh là là, les gars, putain, la série top 1 qui continue. On va normalement être à 997 trophées. Si je sais compter, parce qu'on est à 990 plus 7, les gars, ça va normalement être ça. Donc on va être seulement à 3 trophées, voilà. Ils sont validés seulement un top 1, voire un top 2, pour essayer de taper les 1000 trophées sur notre petite Nita. En réalité, je veux un top 1, parce que vu la série qu'on fait, il n'y a pas de raison qu'on change. Dites-moi aussi les copains, les brawlers que vous voulez qu'on monte 1000 la prochaine fois. On commence à en avoir, c'est mon 13ème. Nita, c'est ma 13ème. Oh les gars, si on fait un top. Oh les gars, qu'on fasse un top 1, top 2. En réalité, on va être premier FR.
parce que plus 6, ça nous mettra à 1003 et plus et top 1. Plus 7, du coup, ça nous mettrait... Ouais, donc on va être premier français si on vient à faire un top 1, un top 2, les gars. Croisez les doigts que ça se passe comme ça. Ça fait un petit moment que j'ai pas été premier français sur un brawler. Donc on va croiser les doigts. Alors là, je suis mitigé entre aller à droite, gratter des pots et... Et moi, je vais essayer vite de prendre celle-là et après, je vais essayer d'aller donner un coup de main à droite à Zinox en espérant que personne soit venu prendre les 3 pots parce qu'auquel cas, on pourrait se mettre à 4, ce serait génial. Alors non, non, ça se passe pas comme prévu. Il y a Shelly, Dina... Alors, il est passé où, Zinox? Il y a la Shelly en embuscade, là, c'est sûr, non? Ah non, elle part. On est à 2. Ok, Dina mort, on est à 3. Alors, la Shelly, elle veut me corps à corps. Putain, on est en train de se mettre très très bien. Oh, il grabe la Shelly, le frérot, c'est magnifique. Putain, je me suis dit, c'est un peu du suicide. Mais en vérité, ça passe. Alors, moi, j'ai l'ours. Zinox, il est un peu low vita, mais il va régène. Ou pas. Ah les gars, faut qu'on top 1, faut qu'on continue la série. Il y a un quoi? Il y a un Poco au mid, Poco, Karl, Spike qui sont pas bien. Karl, Spike qui sont pas bien du tout au mid. En vrai, la position qu'on a, elle est bien, parce qu'on est sûr de pouvoir remonter par la gauche ou de partir à droite. Et on a l'embarras du choix, on n'est pas vraiment coincé dans ce... à cet endroit-là. Zinox, s'il pouvait mettre un grab des familles, ça serait bien. Le Karl, il se casse. Aïe, 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 il a loupé le grab, le frérot. Alors, il n'y a plus qu'une team à péter pour qu'on ait la première place française. Les gars, plus que le cote à péter. Le colt a pété. Allez, allez, allez. Ok, on est top 2, donc on a déjà les 1000 trophées. Est-ce qu'on peut les soulever? Waouh, j'ai un petit lag. Les gars, on va faire le top 1. On va faire le top 1. Il faut qu'on soulève le jean, là. Putain. Le jean, il part, là. Il va faire respawn sans frérot. Je pense qu'on pourra pas faire grand-chose contre ça. Faudrait que Xinox, il chope le grab, mais ça va être compliqué. Allez. Ah, putain, dommage. En plus, c'est un Daryl. Un maximum de respect pour Daryl. Attention. Je mets l'ours pour nous protéger. Oh là là là, le top 1 qui tombe une nouvelle fois. Xinox, quelle machine de guerre sur Jin, le mec, putain. Il a dû louper combien? J'ai pas compté, mais il a loupé un grab. Mais il a dû en louper 2-3. Mais vraiment, la performance est dingue. On a 1004 trophées, les copains. Donc, à part si le deuxième français, enfin l'ancien premier français, il a fait une win, on va lui passer devant, les gars. Et on va être premier français sur la petite Nita, sur les points stars. On se met vraiment bien, comme d'habitude. Alors, région FR, Brawler, Nita. Et on est premier FR derrière, enfin devant Grano, Sturm. Voilà, ça met. Par contre, au classement monde, on est loin. Mais premier FR sur Nita, les copains. Et nouveau brawler à 1000 trophées. Voilà, rang 30, ça fait plaisir, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est le prochain sur la liste? J'avoue que j'hésite entre une petite Billy, Dina. J'hésite entre plusieurs brawlers. Billy, Dina, il y a le petit Max qui est intéressant aussi. Vous dites-moi en commentaire, les gars. Faites-moi un top 3 des brawlers qu'il faut qu'on monte. Rang 30, la saison prochaine. Voilà, dès que vous... Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Et moi, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous remercie les copains. Je vous fais des gros bisous à tous. À très bientôt. Et n'oubliez pas le pouce bleu. Ciao, ciao.